devant Dieu et devant les hommes, devant les deux familles, ils sont reconnus mariés. Amen. Et le samedi dernier, on était à la réception de les accompagner, qu'il y ait que la mort qui pourrait les séparer, tout vent qui pourra souffler de l'est à l'ouest, de nord au sud, que le Seigneur puisse se calmer, que l'amour qui continue à unir ces deux personnes, que cet amour demeure. Amen. Nous prions le Seigneur. Dieu, nous voulons te dire merci. Béni soit ton Saint-Nom par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons aujourd'hui avec ce couple, José et Mireille, devant toi, car la Bible déclare que l'homme ne sépare à point ce que Dieu a uni. Étant une première institution de Dieu, Seigneur, nous voulons te demander un soutien permanent dans ce peuple. Seigneur, nous voulons détruire tout esprit de célibat qui pourra encore menacer ce couple. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait un hôtel, une alliance ou des lois imposées dans les deux familles, afin que ce mariage ne puisse pas réussir, nous les déclarons nul et sans effet par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons que tu puisses les accompagner. Sur ce chemin où ils ont choisi de vivre ensemble, l'ennemi rôde encore comme un lion, viendra pour venir tenter. Mais nous demandons que c'est Seigneur, toi seul, qui puisse soutenir ce couple. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Nous voulons prophétiser, Seigneur, aujourd'hui, que ce couple vivront un amour parfait, un amour où toi seul, le Dieu, tu seras au centre. Seigneur, il n'y aura qu'une seule chose qui pourra séparer ces deux personnes, ça ne sera que la mort. Mais aussi longtemps, Seigneur, qu'il demeurera vivant, nous croyons, Seigneur, que ce mariage viendra. Car nous voulons que ce mariage puisse voir non seulement des enfants, mais voir également des petits-enfants. Et que ces deux personnes, Seigneur, deviennent un véritable modèle pour l'Église. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Marche avec eux, soutiens-les au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Les chants, vous nous entonner un chant.